Salut à tous, c'est Raven et aujourd'hui on se retrouve sur pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 sur PC pour un nouveau mode, donc pour la présentation de la 450 CRF turbo. Voilà, donne-moi cette beauté un peu. Alors franchement moi je la kiffe. Donc je vais mettre la vie à la première personne. On peut pas, mais ça c'est super. Donc vous voyez que franchement elle a été bien faite, mais exactement dans tous les détails. Les freins à disque ont vraiment été faits mais, à la perfection. Les pneus de super mode pareil. Bon, la fourche est un peu moins bien faite. Bon, après c'est la qualité de mon PC qui est pas super top aussi. Là on a le petit turbo qui dépasse et franchement c'est magnifique. Le petit pot là derrière qui est pas mal aussi, petit pot qu'on voit ici là, un petit truc qu'on peut voir un peu mieux, petit pot ici, ah non c'est carrément une bouteille de noces, d'accord, le pot il doit être sur les côtés, je sais pas, ah bah ça doit être là, la chaîne est bien faite aussi. Franchement, GG au créateur, donc bien sûr le lien sera dans la description, donc comme pour tous les modes que je vais proposer. Donc franchement, bon c'est toujours sur une base de Sanchez. Bon moi franchement je kiffe ce mode. Après bon il y a pas. Si je fais le mode aussi, c'est pas parce que le mode me plaît pas. Hein, c'est parce que le mode me plaît aussi. Franchement, le petit aspect super mode et tout, franchement, il me fait rêver. Je kiffe vraiment ce mode, il me plaît vraiment. Donc je pense que celui-là aussi, je vais le garder. Et puis voilà. Donc après, pour les personnes qui voudraient savoir comment je fais pour avoir cette tenue. Alors en fait c'est vraiment très simple. Là si vous voyez en fait je suis en train de changer des paramètres qui vont pouvoir me permettre de tirer et de tout faire péter. De même sauter, faire des jumps. J'ai pas mis le super saut. Non. Alors en fait je suis dans le directeur mode comme vous voyez en haut à droite. Ce qui signifie en français mode réalisateur. C'est mode réalisateur pour les personnes françaises. Et pour les anglais c'est le directeur mode. Et donc en fait vous pouvez un petit peu choisir les acteurs que vous voulez. Et puis moi j'ai pris l'acteur de motocross. Parce que je pensais que ça, en plus il était rouge, ça va bien avec la moto. Donc franchement, ce petit mode est bien sympa, hein, il a bien été réalisé. Franchement, GG à toi, à la personne qui a fait ce mode. Donc le lien sera dans la description, hein, comme d'habitude. Normalement, il y a même une bannière qui est passée pour vous le dire. Comment dire d'autre? GTA 5, s'il lag un peu en fait, j'ai trouvé un peu pourquoi. C'est parce que c'est la version craquée. Vu que mon PC il peut supporter pas beaucoup de trucs et que la version craquée est un peu plus lourde parce que j'ai rajouté pas mal de choses, et ben mon PC il encaisse un peu, vous voyez. Donc voilà, donc très bientôt ça sera une vidéo sur un véhicule, mais un véhicule pas un deux roues, un quatre roues. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.